وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture et l'explication de sourate al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala continue de citer les bienfaits énormes et continus et ininterrompus qu'il a donné à Bani Israël et la manière dont ils ont réagi à ces bienfaits. Donc, Allah ta'ala dit dans le sens des versets, et rappelez-vous, lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envi où il vous plaira. Mais entrez par la porte en vous prosternant ou en vous inclinant avec humilité et dites, pardonne-nous notre Seigneur. Nous vous pardonnerons ainsi vos fautes et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Donc Allah Ta'ala leur a ordonné de rentrer dans le Quds, la ville du Quds, prosternée ou inclinée avec humilité. En disant « Hittatun »« Allah, efface-nous nos fautes, fais tomber nos péchés » avec humilité. Et Allah Ta'ala leur a promis que s'ils faisaient cela, Allah Ta'ala leur pardonnerait leurs fautes. Ainsi, vous nous pardonnerons vos fautes et vous donnerons davantage de récompenses. Comme Allah Ta'ala a dit, « Et on donnera davantage aux bienfaisants, encore plus que cela. » Mais quelle a été la réaction de Bani Israël? Mais les pervers substituèrent à ces paroles d'autres que ceux qu'on leur a ordonnés ou qu'on leur a dit de dire. Ainsi, nous fîmes descendre du ciel un châtiment avilissant sur les injustes à cause de leur désobéissance à Allah. Donc, au lieu de dire « Hittatun », ils ont dit un autre mot qui ressemble mais qui est une insulte à Allah. Et au lieu d'entrer prosternés, ils sont rentrés les fesses en l'air. À l'envers. C'est-à-dire, on fait exprès et on fait ce qu'on veut et on insulte Allah. C'est de la provocation totale. Et Allah Ta'ala a dit qu'ils étaient pervers. Ils ont changé, ils ont substitué cette belle parole par une mauvaise parole. Et ils ont substitué un bel acte qui est d'entrer humilié, humble, prosterné, incliné pour Allah, avec quoi les fesses sont en l'air, à l'envers. Allah salam wa l'afir. Quand ils ont voulu rentrer au Quds, voilà comment ils ont répondu. Allah subhanahu wa ta'ala a montré encore une fois, démontré encore une fois, l'orgueil et l'insoumission de Bani Israël. Puis il leur rappela encore un autre bienfait. Et rappelez-vous, quand Moussa demanda de l'eau pour son peuple, alors nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton. Et tout d'un coup, 12 sources jaillirent et certes chaque tribu sut son propre abreuvoir. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde et ne semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. Donc Moussa alayhi salam, istasqa, l'istisqa, comme nous on connaît, du'a ou l'istisqa, la demande de breuvage en fait, de pluie, car le breuvage ça vient de la pluie. Mais ici Allah, le Moussa alayhi salam a demandé à boire pour son peuple. Et Allah Ta'ala lui a ordonné de frapper le rocher. Les savants ont divergé, est-ce que c'était un rocher précis ou n'importe quel rocher? Quand il a frappé le rocher avec son bâton, 12 sources d'une eau pure, fraîche et claire ont jailli. Pourquoi 12? Pour les 12 tribus de Bani Israël. Comme ça, ils ne se disputent pas. Comme ça, tout le monde a accès. Ce n'est pas juste une source, ils font tous la queue. Chaque tribu, elle a accès à une source pour elle. Ils ont un accès facile. L'eau, elle est répandue pour chacun d'entre eux. Pour chaque tribu. Et chaque tribu, elle a su reconnaître, comme Allah Ta'ala a dit, l'endroit d'où ils devaient aller boire et leur abreuvoir. Et Allah Ta'ala leur a dit, mangez et buvez de ce qu'Allah vous a accordé. Mais ne semez pas le trouble et la corruption sur terre comme des fauteurs de trouble. C'est-à-dire que malgré tous les bienfaits qu'Allah leur donne, seulement Allah il leur demande d'être des gens bienfaisants, des gens qui arrangent sur terre, non pas des corrupteurs.
Et Allah Ta'ala continue et leur dit, et rappelez-vous, quand vous dites, ô Moussa, nous ne pouvons plus supporter une seule nourriture. Invoque donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail, son blé, ses lentilles, ses oignons. Il dit, Moussa alayhi salam, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Donc, comme vous saviez, Allah a ordonné le man et le salwa. Le man, c'est tout ce qui est pris sans effort. Le salwa, c'est un oiseau. C'est-à-dire, c'est les riches qui mangent ça. Par Allah Ta'ala, il leur donnait ça gratuitement. Et eux, ils demandent quoi? La nourriture des pauvres, le concombre, le blé, l'ail, les lentilles, les oignons. C'est-à-dire, subhanallah, quelqu'un, il a de la part d'Allah, gratuitement, on lui donne de la viande, on lui donne les meilleures choses, et lui, il demande quoi? La nourriture des pauvres, le concombre, l'oignon, le blé. C'est pas se moquer du monde, ça? Et il dit, ça nous suffit pas une sorte de nourriture. On veut aussi ces nourritures qui sortent de la terre. Et Moussa alayhi salatu wassalam leur a fait la remarque. Est-ce que vous voulez échanger ce qui est plus vil, ce qui est moindre, avec ce qui est meilleur? Il a ordonné, puisque c'est ce qu'il voulait, descendez donc dans n'importe quelle ville. Ihbitu Misra. Misr ici, c'est pas le pays. En arabe, al-Misr, al-Amsar. Al-Misr, c'est une ville. Amsar, c'est le pluriel des villes. Ihbitu Misra. En langue arabe, Al-Misr, c'est une ville. Donc, il leur a dit, descendez dans n'importe quelle de ces villes. Vous y trouverez certainement ce que vous demandez. Et l'avilissement et la misère s'abattèrent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah. Il en fut ainsi parce qu'ils reniaient les preuves et évidentes et les enseignements de la révélation d'Allah et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient les limites d'Allah. Donc, encore un autre bienfait, encore un autre bienfait, et ils échangent ce qui est de meilleur contre ce qu'il y a de pire. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a écrit la petitesse et l'avilissement et la misère à cause de ce qu'ils faisaient comme péché et à cause de ce qu'ils tuaient les prophètes sans droit. Pourquoi ici Allah ta'ala dit « tuer les prophètes sans droit » ? Ça ne veut pas dire qu'on peut tuer les prophètes s'il y a un droit. Il n'y a jamais le droit de tuer les prophètes. Mais c'est pour montrer que les prophètes ne leur avaient fait aucune injustice. Le fait de tuer un prophète, déjà, c'est une des plus grandes injustices. Et eux, ils l'ont fait, ils n'étaient pas opprimés. Et ce n'est pas par ignorance non plus qu'ils l'ont fait. C'est sans droit. Ils ne l'ont pas fait par ignorance, ils l'ont tué, mais par ignorance. Par erreur. Non, non, sans droit. Ils savaient ce qu'ils le faisaient, et ils l'ont fait contraire au droit et contraire à la vérité. Donc pour cela, Allah Ta'ala leur a écrit l'avilissement et la petitesse et la misère. Et ils ont encouru la colère d'Allah. C'est pour ça qu'on dit dans le Coran, tous les jours dans le Fatiha, on demande à Allah de ne pas faire partie de ces gens-là. Ghayril maghdoubi alayhim wala ad-dallin. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Qui sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah? Les juifs. Et comme vous allez voir avec le verset suivant, il ne parle pas de tout le monde, car il y avait des croyants, mais une minorité. Ce verset, et ces versets que l'on lit, ils ont été révélés au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Et ici, il parle à Bani Israël, qui était à Médine, et les juifs qui étaient au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? On va dire, on pourrait se demander, mais pourquoi Allah, il leur dit que vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez renié ce bienfait, vous avez... Alors que ce n'est pas eux, c'est leurs ancêtres. Premièrement, les méfaits des ancêtres touchent la descendance. Deuxièmement, les bonnes actions des ancêtres touchent la descendance. On ne lit pas dans Sourate Al-Kahf, le trésor qui était caché, c'était un arrière-grand-parent qui l'avait laissé pour les petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'il était pieux, Allah il l'a protégé pour les petits-petits-enfants. Certains mufassirines, certains savants, ils disent 7 générations. Allah il a protégé 7 générations parce que cet homme, il était pieux. Ça, c'est un.
Deuxièmement, parce qu'ils ne se sont pas désavoués d'eux. S'ils s'étaient désavoués des actes de leurs ancêtres et ils auraient cru, Allah ne les aurait pas blâmés. Mais ils ne se sont pas désavoués. Au contraire, ils étaient fiers d'appartenir à ces gens-là malgré leur injustice. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui, il dit « Je suis fier d'être descendant d'Adolf Hitler ». On ne va pas le blâmer pareil qu'Adolf Hitler, par exemple. Pourquoi ? Parce que quelqu'un ne peut pas être fier des actes d'un corrupteur, n'est-ce pas ? C'est la même chose. Eux, ils sont fiers de ce que leurs ancêtres ils ont fait. De provoquer Allah, de désobéir à Allah, de se moquer d'Allah, de tuer les prophètes, d'être des corrupteurs. Ils s'affilient à eux. Ils n'ont pas honte de cela. Ils ne réprouvent pas. Et il y a un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui agrée un acte blâmable, même s'il est à l'autre bout de la terre, c'est comme s'il était présent et il le faisait avec la personne qui le fait. Alors que celui qui est présent dans ce moment où l'acte blâmable il est fait et il le déteste avec son cœur, c'est comme s'il n'était pas présent. Donc c'est le même cas pour eux. Le fait qu'ils l'ont agréé et le fait qu'ils ne se sont pas désavoués d'eux, alors ils sont comme eux. Et Allah, il leur parle comme eux, car ils sont leurs descendants. Et effectivement, ils ont agi comme eux. Ils ont continué à combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils le reconnaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Pour vous dire, ils passaient à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils éternuaient, ils disaient Alhamdulillah, en espérant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise Rahimakallah. C'est-à-dire, pourquoi ils cherchent les doa de Rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est qu'ils savent qu'il est prophète. Pourquoi ils cherchent ces doa? Ils savent que ces doa sont acceptés. Au fond d'eux-mêmes, ils le reconnaissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur répondait pas Rahimakallah. Il leur répondait Yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Qu'Allah vous guide. Et il arrange vos actions, vos situations. C'est pour ça les ulama en ont déduit qu'on ne fait pas pour un kafir, même vivant, on ne fait pas la doa de la miséricorde. On invoque pour lui la guider. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué pour un kafir la baraka, ou bien la rahma, ou quoi que ce soit de ces choses-là. On invoque pour un kafir la guider. Qu'Allah vous guide, qu'Allah arrange votre situation. Non. Même vivant. Après la mort, il n'y a plus de guider ou de situation. Il est dans les mains d'Allah. Puis, Allah il dit dans le Coran, certes, ceux qui ont cru, les juifs, les chrétiens et les sabéens, quiconque a cru en Allah au jour dernier et a accompli de bonnes œuvres, tous auront leur récompense auprès de leur Seigneur, ils n'éprouveront aucune crainte et ils ne seront jamais affligés. Donc ici, il ne parle pas bien sûr des juifs, des chrétiens qui sont restés juifs et chrétiens après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ce verset, il vient à la suite de cette histoire de Bani Israël. C'est-à-dire qu'après qu'Allah les a blâmés, après qu'il les ait blâmés et montré tous leurs défauts, il a voulu montrer que parmi eux, il y avait quand même certains croyants, qu'ils n'étaient pas tous comme cela. Et pour ne pas faire croire que seuls parmi les juifs, il y avait des croyants, il a cité aussi les autres. Parmi ceux qui sont les chrétiens et les sabéens. Les sabéens, c'est une sorte de chrétien. C'est ceux qui sont de Mossoul, en Irak. Quand on dit juif, chrétien, sabéen, est-ce que ça veut dire qu'il y avait une religion avant l'islam qui était autre que l'islam? Allah il dit dans le Coran, Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanif, musulman, soumis. L'islam, il a un sens général et il a un sens précis. Le sens général, c'est que toutes les religions avec lesquelles les prophètes sont venus, alayhim salat wa salam, c'est l'islam, c'est la soumission à Allah. Mais eux, ils se sont donné ce nom, Nasara. Nasara, c'est pas tout à fait chrétien. Dans le terme Nasara, il n'y a pas le terme de la croix comme chrétien. Le Christ, il y a le sens qu'il a été crucifié, alors que dans le terme arabe Nasara, il n'y a pas cette connotation-là. Donc en vérité, on traduit par chrétien, mais c'est pas une bonne traduction. Et Yahoud, c'est parce qu'ils avaient dit « Inna hudana ilayk » On a été guidés vers toi. Al-huda, la guidée.
Donc ils se sont donné ces noms, mais en fait c'était l'islam avec lequel Moussa est venu, alayhi salam, l'islam avec lequel Isa est venu, alayhi salam, qui n'avait pas été falsifié. Pas le christianisme qui est venu après qu'il a été falsifié, ou le judaïsme qui a été falsifié après Moussa alayhi salam ou après les prophètes. Donc ici, quand Allah les nomme par ce nom-là, c'est pour les reconnaître, pour les différencier, et non pas pour dire c'est la religion avec laquelle Moussa alayhi salam est venu. Moussa, il n'est pas venu avec le judaïsme, et Isa, il n'est pas venu avec le christianisme. Ils sont tous venus avec l'islam de la part d'Allah. Et on a lu le verset du Coran que Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais qu'il était hanif, soumis, musulman. Mais après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à quelqu'un de se nommer autre que par l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Celui qui agrée une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un juif ou un chrétien qui entend parler de moi puis qui ne croit pas en moi sans que sa place soit en enfer. Et d'ailleurs, il n'est pas permis à un musulman ne serait-ce que de douter sur la mécréance des juifs et des chrétiens. Celui qui doute de la mécréance des juifs et des chrétiens est lui-même mécréant, car il a remis en question le Coran. Donc celui qui ne rend pas mécréant, celui qu'Allah a rendu mécréant, c'est un mécréant. Et Allah a rendu les juifs et les chrétiens mécréants. Jusqu'à qu'ils soient guidés. Si Allah les guide et ils entrent en islam, alhamdulillah, ce seront nos frères en religion, alhamdulillah. Donc, attention, ce verset-là, il peut être mal utilisé et mal interprété par des gens malades du cœur. Aucun parmi les salafs, aucun parmi les savants, aucun parmi les sahaba, les pieux prédécesseurs, n'a interprété ce verset en disant que les juifs et les chrétiens qui sont croyants, qui font des bonnes actions, alors ils sont au paradis. C'est après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Donc depuis le début, on parle de tous les bienfaits qu'Allah a donné à Bani Israël et comment ils ont réagi avec orgueil, comment ils ont rejeté, comment même ils ont provoqué Allah subhanahu wa ta'ala a demandé des choses vraiment incroyables. Allah Ta'ala est juste, donc il a voulu souligner qu'il y avait des croyants parmi eux. Ils n'étaient pas tous mécréants. Ils n'étaient pas tous orgueilleux et ne rejetaient pas tous. Il y en a certains qui ont suivi Moussa alayhi salam et qui ont obéi et qui n'ont pas demandé ces choses-là. Il y en a certains qui ont suivi Isa alayhi salatu wassalam et qui ont obéi et qui n'ont pas détourné le chemin de Isa alayhi salatu wassalam. Aussi, une remarque. Allah Ta'ala attache toujours les bonnes œuvres avec la foi. Ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier et qui ont accompli de bonnes œuvres. Effectivement, les œuvres et les actions font partie de la foi. Et ceci est notre croyance. Que quelqu'un qui ne fait aucune œuvre, aucune bonne action, c'est pas un croyant. Comment il dit « je crois en Allah, en son prophète, mais je ne prie pas, je ne jeûne pas, je ne fais pas le hajj, je ne donne pas la zakat. » Tu fais quoi alors? Il fait rien. Il dit « je suis croyant ». C'est pas possible, car le cœur, il a un lien direct avec le corps. Et le corps, il a un lien direct avec le cœur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est bon, tout le corps est bon ». Et s'il est mauvais, tout le corps est mauvais, n'est-ce pas que c'est le cœur? C'est pour ça que les gens de la sunna disent la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur et qui est prononcé par la langue et qui est fait par les membres, qui augmente avec l'obéissance d'Allah et qui diminue à cause de la désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On a déjà cité le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la foi est de 73 et quelques branches. Son plus haut est la parole la ilaha illallah. Son plus bas est de retirer une chose gênante sur le chemin des passants. Et la pudeur fait partie de la foi. Dans ce hadith seul, qui est un hadith authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam montre que la parole fait partie de la foi. Il a dit la plus haute est la parole la ilaha illallah. Il a montré qu'une œuvre, un acte fait par les membres fait partie de la foi.
Il a dit dégager le chemin pour les passants, de ceux qui pourraient les gêner. Et il a prouvé qu'un acte du cœur fait partie de la foi, la pudeur. La pudeur, c'est un acte du cœur. Donc dans ce hadith, il y a les actes du cœur, il y a les paroles et il y a les actes des membres. Et ces trois choses-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il les a nommées parmi les 73 branches de la foi. Donc, on voit qu'à chaque fois que l'iman, la croyance en Allah et au jour dernier est énoncée avec et qui font des bonnes actions. Ceux-là, leur récompense incombe à leur Seigneur, est auprès de leur Seigneur, et ils n'auront aucune peur et ils ne seront pas attristés. La peur, c'est ce qui nous attend, le futur. Et être attristé et affligé, c'est pour ce qui est passé. Donc celui qui a la foi et les bonnes actions, il n'est pas triste du passé. Car ce qu'il a fait auparavant a été la cause qu'il gagne ces récompenses qu'il a aujourd'hui. Et il ne craint pas le futur. Au moment de la mort, il n'a pas peur. Tant qu'il est croyant dans sa vie, il espère dans la miséricorde et dans la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il meurt, il n'a pas peur car il sait que tout ce qui va venir après cela ne sera pour lui que mieux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul rabbi zidni ilma.